suivez à travers le monde. Nous sommes 19h à Kinshasa, la capitale. C'est l'heure de votre journal. Au sommaire, l'axe routier Kalemie-Lubumbashi subit une cure de jouvence de l'office de route pour faciliter la fluidité sur ce tronçon et le transport de marchandises. C'est déjà l'étape d'inspection par le bureau technique de contrôle pour s'assurer de la qualité de travail. Puis, c'est aujourd'hui que les victimes du drame de Matadikibala ont été inhumées après la cérémonie des hommages organisée en leur mémoire par l'hôtel de ville de Kinshasa. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde était sur le lieu pour déposer sa gerbe de fleurs. C'est le titre de ce journal. Merci d'être avec nous sur la RTNT. La RTNT est en deuil. Elle vient de perdre l'un de ses grands journalistes et formateurs, Faustin Fouassa Tombissa. Il a tiré sa révérence ce vendredi matin de suite d'une maladie. Fouassa a travaillé à la radio et à la télévision nationale congolaise, mais il était plus connu pour sa brillante duo infernale qu'il formait avec François Kabulo Mwana Kabulo dans le commentaire en direct de matchs de football. Il a été aussi un enseignant en journalisme à l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication ainsi qu'à l'ICEA. En attendant le programme des obsèques, la RTNC présente ses condoléances à sa famille biologique. C'est dans un contexte d'émotion et de pleurs, aujourd'hui au stade Vélodrome, que le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a déposé sa gerbe de fleurs sur le cercueil des victimes de Matadikibala, mort par électrocution due à un sectionnement d'un câble de la ligne haute tension qui passe par le lieu où les victimes vendaient. Retour sur ce moment fort avec Bienvenue Lusala et Patti Tondoir. C'est vendredi 11 février 2022. La grandeur du stade Vélodrome de Kintambo a eu du mal à contenir la douleur immense des familles des victimes du drame du marché de Matadikibala dans la commune de Mongafula. Sensible à cette douleur, on pouvait lire visiblement dans les regards du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge la profonde tristesse qui accompagnait sa compassion face aux familles éprouvées. Jean-Michel Samalukonde Kyenge a fait les déplacements des sites mortuaires comme au jour de la tragédie, le 2 février 2022, pour rendre un dernier hommage aux dignes filles et fils du pays, arrachés brutalement à l'affection de leurs familles, amis et connaissances pendant qu'ils cherchaient le bien-être familial. Le gouverneur de la ville-province Kinshasa n'était pas en reste. Gentil Ngobila a écarté désormais l'intransigeance de l'exécutif provincial face aux constructions anarchiques. Au nom de toute la population de Kinshasa, je tiens à remercier particulièrement Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui n'a aménagé aucun effort pour descendre personnellement sur le lieu afin d'essuyer les larmes des familles et ordonner lui-même toutes les dispositions utiles à prendre pour les victimes et leurs familles. Ces remerciements s'adressent également à Son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Les images en disent plus. Le gouvernement a tenu sa promesse, l'organisation des obsèques dignes à ses compatriotes péris dans un drame inattendu. Un autre temps fort de ces funérailles a été le dépôt de la couronne des fleurs par le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, devant l'ensemble des dépouilles mortelles, suivi de toute la délégation gouvernementale. Étape qui a précédé la consolation des familles des victimes, comme pour dire « J'ai compati à votre douleur ». Les familles ont reconnu les efforts du gouvernement dans l'organisation des obsèques. Acte qui a valu les remerciements au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et au gouvernement Sama. C'est autour des 13 heures que les corbières chargées des douleurs ont pris la direction du cimetière de Mingadi pour le repos éternel de ses victimes. Leur tristesse, constellation, ce sont là les maîtres mots de l'ambiance des douleurs qui règne ici au stade de Vélodrome de Kintambo.
Il s'agit des funérailles des 26 personnes qui ont trouvé la mort lors du drame de Matadi Kibala. Et les premiers ministres et chefs du gouvernement, comme au jour de la tragédie, a fait les déplacements pour rendre un dernier hommage à ses dignes fils et filles du pays. Il est à la tête d'une forte délégation gouvernementale. Depuis le stade Vélodrome de Kitambo, Pati Tondo Angukizunda et bienvenue Lusala pour la Radio-Télévision nationale congolaise. Repos éternel aux illustres disparus. Dans la suite de l'actualité, ça fera environ 2 mois que la République démocratique du Congo vit sous les restrictions de la 4e vague de coronavirus, une pandémie qui continue à frapper le monde. Aujourd'hui, le docteur Mouyembe, coordonnateur du secrétariat technique à la riposte contre la COVID-19, a fait le point sur la situation de cette maladie au pays. Lopez Kakouba. Situation COVID-19 en République démocratique du Congo, la vaccination reste une préoccupation majeure afin de mettre un terme à cette pandémie, a dit le professeur Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur du secrétariat technique de la riposte, lors de son point de presse hebdomadaire le 9 février à l'INERBE. Nous sommes plutôt confiants que la pandémie est sous contrôle, n'est-ce pas, dans notre pays. Le seul couac, c'est la vaccination. La vaccination reste une préoccupation majeure pour les secrétariats techniques et il faut absolument que le programme élargi de vaccination augmente sa performance en ce qui concerne la vaccination de la population. Les mesures comme le couvre-feu, les mesures comme la fermeture des bars ou des boîtes de nuit, etc., ça on peut les assouplir, mais nous devons renforcer la vaccination. À mon avis, hein, tous les ronds-points Victoire, la place Sainte-Thérèse, Angili, etc., qu'on mette ces vaccinodromes et qu'on invite la population à se faire vacciner. Malgré que le variant Omicron est en voie de disparition, l'équipe de la riposte reste préoccupée par les faibles taux de vaccination. Sur la route nationale numéro 5, axe Kalemie-Lubumbashi, l'office de route s'active à réhabiliter ce tronçon de 60 km de distance. Une mission mixte office de route et le bureau technique de contrôle a inspecté ces travaux qui ont débuté depuis octobre dernier. Reportage. C'est un ouf de soulagement pour les populations vivant le long de la route nationale numéro 5. L'axe routier Kalemie-Lubumbashi se transforme grâce aux travaux de réhabilitation exécutés par l'office de route. Le directeur général de l'office de route, l'ingénieur Herman Mutima Sakrini, qui suit de près l'évolution des travaux, tient au respect du délai imparti pour la fin des travaux. Une délégation mixte, office de route et bureau technique de contrôle, a inspecté les travaux dernièrement. L'on note une bonne évolution de travaux, rassure le directeur provincial de l'office de route. C'est notre deuxième inspection que nous sommes venus voir pour essayer de voir comment est-ce que les travaux sont réalisés en régie et avec nos amis de BTC qui sont en train de faire le contrôle. Nous venons de voir que les travaux évoluent très bien et d'ici un mois, nous allons finir tous ces travaux. La réhabilitation de la RN5 est d'une importance capitale car elle permettra l'évacuation des produits de champ vers le centre de consommation. Au point de vue de la réalité du terrain, ce n'est pas un travail que nous voyons de l'entretien, c'est plutôt un travail de la réhabilitation parce que l'état de la route était vraiment à l'état de dégradation presque totale. Les travaux, ça évolue bien. Il faut également s'attendre à des échanges commerciaux avec les provinces de Tanganyika et celles du Haut-Katanga et aussi au développement socio-économique. On ne voit plus des engins sur le site, plutôt sur l'avenue Kimwenza et le rond-point Victoire où s'effectue le travaux de réhabilitation de cette partie de la chaussée. Nos reporters ont fait le déplacement sur le lieu pour savoir le quid de l'avancement de ce travaux. Le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a lancé dernièrement les travaux de l'opération Kinshasa 02. Plusieurs acteurs de Kinshasa étaient ciblés dont l'avenue Kimwenza qui part de l'avenue Victoire Kalamu jusqu'à la commune de Makala.
constat malheureux. Plusieurs mois, les travaux sont arrêtés et aucune information sur les causes de l'arrêt des travaux. Le jeune de Kalamou sont partis rencontrer le bon commerce pour en savoir plus. Nous avions reçu la visite surprise quoi, de parlementaires debout de la FUNA, conduite par les responsables. Le plus grand problème, ils sont venus un peu s'acquérir de la situation parce que depuis un certain temps, les travaux qui ont été lancés sur Victoire et sur Avenue Kimwenza, il n'y a pas jusque-là des avancées significatives. Raison pour laquelle, en tant que population, ils sont venus pour s'enquérir de la situation, en savoir plus. Et on a parlé, tout s'est passé vraiment dans la paix, dans le calme. Ils ont été édifiés, éclairés, et puis ils sont rentrés. Donc c'était ça. Mais il n'y a pas eu des ordres, il n'y a pas eu ceci et là. Non. Tout s'est passé vraiment dans le calme. Ben, c'est pas de comprendre. Hein. Kalamou, Victoire, c'est le système de la ville de Kinshasa. Hein? Donc, faut pas, donc toute la République est alertée. Donc, tout s'est passé dans les calmes, il n'y a rien. La population a voulu seulement savoir pourquoi est-ce que les travaux n'avançaient pas. Et on a parlé très bien, ils ont compris et puis ils sont partis. Merci, ok, d'accord. Ce n'est pas un cas isolé. Le genre de situation se rencontre à plusieurs coins de la capitale où les travaux ont été lancés. Les autorités concernées sont interpellées pour que les travaux reprennent le plus rapidement possible afin de soulager la population. À Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, début de l'opération d'identification de bénéficiaires directs du projet d'appui au bien-être des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt. C'est une opération lancée en présence du conseiller spécial du chef de l'État en matière de mine. La carte est déterminée à redorer la belle image de la ville de Likasi. Trois entreprises sont engagées pour reconstruire et moderniser toutes les routes de la deuxième ville du Haut-Katanga. Le gouverneur a visité la route Lubumbashi, les avenues Kamanyola, Circulaire, Lumumba et Mobutu à la commune de Panda. Le chef de l'exécutif provincial a déploré le fait que les camions transportant les minerais ne respectent pas les tonnages qui vont jusqu'à 100 tonnes. Sur le champ, Jacques Ablakatou a instruit le maire de Likasi pour installer le pesage. Aucun camion chargé au-delà de 30 tonnes ne peut circuler au centre-ville de Likasi. Il aurait bien de construire aussi une route de contournement. C'est une route de plus ou moins 27 km que nous allons faire partout de la route Kolwezi jusqu'à Boulour. Concernant le pont jeté sous la rivière Panda, le gouverneur Jacques Ablakatou est satisfait de l'évolution des travaux qui sont en ce jour à 80%. Et cela va faciliter l'asphaltage de la route Likasi, qui est la Balanda. Ainsi, relier la ville de Likasi en RDC à celle de Solosi en Zambie. Dès cette semaine, les pourparlers sont en vue entre le Haut-Katanga et la province nord-occidentale de la Zambie. Le chef de l'exécutif provincial appelle la population de la ville montagneuse à l'apaisement. C'était un reportage de Didier Mumba de la RTNC Lubumbashi sur la réhabilitation de la voirie urbaine de Likasi. Insécurité à Tuapa, le phénomène Kuluna prend aussi corps dans cette province. Pour l'éradiquer, le gouvernement central a remis des véhicules 4x4 pour la mobilité de la police et autres services commis à la sécurisation de la population. Le gouvernement central a répondu positivement au plaidoyer du gouvernement provincial de la province de la Tuapa, qui avait sollicité de moyens logistiques pour la mobilité de services de sécurité provinciale afin de lutter contre la criminalité, le banditisme et le phénomène Kuluna. C'est le gouverneur intérimaire de cette province, Toussaint Elessé, qui a présidé cette cérémonie officielle de remise au nom du gouverneur Pancras Bongongkoy en mission de travail. 6 jeeps type Isuzu aux membres du conseil provincial de sécurité restreinte, notamment la police nationale congolaise, agence nationale de renseignement, la direction générale de migration, les forces armées de la République et le ministère provincial de l'intérieur, sécurité et affaires coutumières. En politique, l'UDPS, fédération de Mbujimaï, s'insurge contre tout celui qui tentera de déstabiliser
les institutions démocratiquement élues. Ils ont marché sur les artères de la ville de Mbujimayi pour manifester leur participation et leur soutien à l'actuel gouvernement. La Fédération de Mbujimayi a organisé ce jeudi 10 février une marche de soutien au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aux institutions du pays. Cette marche à laquelle a pris part les partis politiques de l'Union Sacrée est partie du siège du parti présidentiel à Moualoussé, dans la commune de la Mouya, en passant par les ronds-points de l'Étoile à Dibindi, pour chuter au gouverneur de province dans la commune de Yulu. Sur place, devant la gouverneure de province intérimaire du Kasaï Oriental, Jeannette Longa Moussamba, le président fédéral, Jean-Paul Mbwebwe-Kapo, a lu avant de déposer entre les mains de l'autorité provinciale la motion de soutien au président de la République et aux institutions du pays. Dans ces documents, l'IDPS Fédération de Mbujimayi réitère sa confiance et son soutien inconditionnel au président de la République et qu'elle ne tolérera aucune tentative de déstabilisation des institutions de la République. Par cette occasion, l'IDPS Fédération de Mbujimayi lève les tons contre la tentative de coup d'État en République démocratique du Congo. La Fédération de l'IDPS Mbujimayi met en garde tous les caciques et nostalgiques des régimes dictatoriaux de triste mémoire que le peuple congolais, les FARDC, la police nationale et toutes les forces vives du pays n'accepteront jamais un coup de force comme un moyen d'arriver au pouvoir. C'est dans la discipline du parti que les combattants ont quitté les gouvernorats de province, mission accomplie. Recueillir et confronter le détail entre les statistiques des emplois créés et communiqués à la société sino-congolaise de mines Sicomine et celles déclarées aux établissements sous sa tutelle, c'est à cet exercice que se livrait Claudine Ndoussi, ministre d'Emploi, Travail et Prévention sociale. Il était question pour la ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale d'examiner la situation des emplois déclarés à la commission gouvernementale chargée d'évaluer le contrat chinois et ceux déclarés aux établissements sous tutelle, à savoir la CNSS, l'INPP et l'ONEM. Il se dégage que les effectifs déclarés par la Société sino-congolaise des mines à la commission gouvernementale sont de 7 428 emplois direct et indirect créés, dont plus de 5000 occupés par les nationaux et 1566 par les expatriés, en témoignent les DGA de la Sicomine. Nous faisons de notre mieux pour rester dans les normes qui sont dictées par le ministère du Travail, en ce qui concerne l'emploi, premièrement, et deuxièmement, en ce qui concerne la prestation des droits travailleurs. Nous faisons de notre mieux pour les mettre à l'aise avec tout un chacun pour se retrouver. Ayant constaté les écarts importants dans les chiffres avancés et déclarés par la Sicomine aux différentes structures sous tutelle, la patronne de l'emploi a instruit les experts de procéder à l'harmonisation de toutes les données transmises. Claudine Doussikembe a recommandé à la Sicomine de communiquer aux établissements sous tutelle la situation actuelle relative à tout mouvement du personnel, y compris les périodes concernées par ceci, et aussi de fournir en son cabinet de travail les noms de services de placement ou de sous-traitance qui travaillent avec l'entreprise. L'Iran veut s'investir en République démocratique du Congo dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est ce que l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en RDC est venu proposer au ministre de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, Eustache Mouhanzi, en vue de sa matérialisation dans le tout prochain jour, nous dit Mireille Ndeke. Au cours de cette audience, le diplomate iranien Mohamed Jafar Shariati a présenté au ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, maître Eustache Mouhanzi Mombembe, les domaines de coopération qui peuvent être développés avec le ministère de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, notamment le start-up, l'artisanat, ainsi que la possibilité de créer des parcs industriels pour booster l'économie de la RDC et renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Le secteur qui concerne la responsabilité de son excellence, monsieur le ministre, c'est un secteur très important dans le but de créer les emplois et entrepreneuriat. C'est pour cela que nous avons beaucoup d'expérience, nous avons beaucoup de possibilités et capacités afin d'accompagner la RDC
pour l'entrepreneuriat et création des emplois à travers les start-up et d'autres sujets intéressés. Le sujet, ça concerne le parc industriel, les zones économiques spéciales et aussi la question de formation et transfert de l'expérience de la partie iranienne au profit des jeunes. En outre, les deux parties ont évoqué l'intérêt de signer un mémorandum d'entente pour matérialiser la volonté des deux États à intensifier des opportunités de coopération dans les domaines précités, sachant que la RDC pourrait tirer profit de l'expérience iranienne dans l'organisation de coopératives, la création d'emplois et le développement économique. Il y a lieu de signaler que cette rencontre a eu lieu au moment où les deux pays célèbrent les 50 ans de leur coopération bilatérale. Encore dans le domaine de coopération, cette fois-ci avec le groupe Humber System qui veut réhabiliter les locaux de la poste dans l'ensemble du territoire national. La délégation de cette entreprise s'est entretenue avec le ministre de Poste, Téléphone, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibasa Maliba, sur la faisabilité. En reportage de Nono Mansikou. La rénovation des bâtiments de la poste dans tous les 145 territoires de la République démocratique du Congo pointe à l'horizon. Pour ce faire, les investisseurs américains, arabes et égyptiens du groupe Humber System, spécialisé dans la transformation numérique et la sécurité nationale, conduite par le directeur général du réseau national des télécommunications et satellites, M. Richard Achinda, ont présenté au ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibasa Maliba, les projets relatifs à la construction et à la réhabilitation des locaux de la poste dans les territoires congolais. Ils se sont convenus aussi du renforcement des services du Renatelsat. Nous avons plusieurs offres pour le pays, comme par exemple l'intérêt de télécommunications et plusieurs d'autres. Nous travaillons avec la sécurité nationale juste pour mettre sûr que les informations d'Internet sont très, très sécurisées et que personne ne dépasse une telle limite. Leur offre s'articule sur la conservation des données, et un système cloud et puis la sécurisation des données. Et donc, on peut, par leur système, localiser en temps réel et à tout moment toute activité dans le réseau. Bien avant cela, les experts du ministère des PTNTIC, ceux du Renatelsat et la délégation du groupe Humber ont eu une séance de travail afin d'étudier les voies et moyens pour concrétiser les partenariats entre les deux parties. Après les assises de la COP26 à Glasgow, la société civile de la RDC lance de travaux stratégiques pour la protection de forêts tropicales, climat et droits de peuples autochtones pygmées. Un atelier organisé par l'ONG Cercle pour la défense de l'environnement. Reportage Marie Kalongi-Gwezia. Monseigneur Mouziroua du Cercle culturel Boboto dans la commune de la Gombe a servi de cadre au lancement de l'atelier stratégique post-COP26 de la société civile et des confessions religieuses pour la protection des forêts tropicales, du climat et des droits des peuples autochtones pygmées dans la CDN, contribution déterminée au niveau national. Durant 4 jours, les participants essentiellement issus de la société civile environnementale du groupe de travail Climat, RED et des confessions religieuses vont entre autres réfléchir sur les informations actualisées du contexte politique de la contribution nationale déterminée CDN en RDC, bilan et perspectives et post-COP26 de la feuille de route de la société civile de 2021 et des autres processus en cours APV, réforme forestière, CAFI RDC, etc. Réfléchir sur la visibilité des actions de la société civile et des confessions religieuses pour la CDN, pour ne citer que ses objectifs. Le coordinateur de l'ONG CDN, Cercle pour la défense de l'environnement, Barthélémy Boïka Mahambi, parle de ses attentes par rapport à cet atelier stratégique. Nous, en tant que société civile, nous sommes en train de mobiliser la société civile en tant que une composante majeure au niveau national pour mettre en place une stratégie de participation et d'intervention pour pouvoir accompagner ces processus de contribution déterminés au niveau national.
À noter que cet atelier refermera ses portes sur des bons auspices, notamment l'élaboration de la stratégie de la société civile et des conférences religieuses pour mettre en œuvre la contribution déterminée au niveau national de la RDC. Lancement de la consultation nationale de la jeunesse par le ministre de la Jeunesse pour doter cette partie, plutôt cette catégorie de la population d'une feuille de route pour les actions futures. Oscar Mbal et Rodé Panda pour le reportage. Le siège du Conseil national de la jeunesse va vibrer au rythme de consultation nationale de la jeunesse congolaise, toutes tendances confondues, lancée depuis le 7 février dernier. Toutes les couches passent tour à tour pour être consultées par le numéro 1 de la jeunesse congolaise, William Mukambila. Objectif, récolter les avis et considérations des associations, mouvements et ONG afin d'élaborer le plan national de la jeunesse à soumettre au chef de l'État. Notre présence ici chez le président du Conseil national, c'est pour lui présenter notre cahier des charges, parce que nous avons remarqué qu'après avoir formé ces jeunes-là, ils ont des produits, mais ils n'ont pas de marché. Après les présidents des ligues, des partis politiques, personnalités, jeunes, députés, filimbi, personnes vivant avec handicap, c'est le tour du ministre national de la jeunesse Yves Bunkulu d'encourager le Conseil national pour ses assises. Encourager à toutes les structures de jeunes en République démocratique du Congo, que ce soit à l'intérieur du pays et à Kinshasa, de pouvoir participer massivement à ces consultations. Comptons sur ces consultations pour que nous puissions actualiser également notre réponse aux problèmes des jeunes. Il s'est de noter qu'après l'étape de Kinshasa, une tribune d'expression populaire des restitutions sera organisée avant la tournée en province. L'UNICEF a visité différentes réalisations de projets de renforcement du système communautaire en République démocratique du Congo. Ils étaient dans la rue il y a quelques temps, hébergés dans les centres de rééducation. Les enfants en situation de rue ont appris les métiers, notamment la menuiserie, la coupe et couture, et suivent les cours d'alphabétisation. C'est la matérialisation du projet de renforcement du système de protection communautaire des enfants et jeunes de Kinshasa en situation difficile. Projet mis en œuvre par la division urbaine des affaires sociales et exécuté par les consortiums AA et REGER. Réseau des jeunes et enfants de la rue. Ça fait 4 ans, nous sommes à la fin d'un projet que nous avons réalisé avec l'appui de l'ambassade du Canada. Et ce projet-là partait de la petite enfance jusqu'à la communauté. Tout le travail avec les enfants qui sont hébergés dans les centres, tout le travail sur le renforcement des capacités des éducateurs, des prestataires de soins et aussi tout le travail avec la communauté. Nous voulons que la communauté soit une source de solutions. L'objectif de ce projet est d'améliorer la prise en charge des enfants et jeunes en situation difficile de la ville-province Kinshasa à travers un meilleur accès aux services sociaux de base. La ministre provinciale des Affaires sociales qu'accompagnait la bourgmestre de Kitambo, sont allés visiter les différents centres. On a vu les travaux des enfants, vraiment cette organisation fait, du bas âge jusqu'à l'adulte, c'est quelque chose. Imaginez-vous, on les prend tout petits jusqu'à devenir des hommes alors utiles à la société. Nous avons vu des menuisiers, donc c'est quelque chose d'encourageant. En collaboration avec le gouvernement provincial et les organismes qui les aident, il y a de quoi vraiment apporter un soutien durable. L'école de guerre de la République démocratique du Congo vient de signer un partenariat avec l'université de Kinshasa pour la formation en master des officiers militaires. Objectif, se rendre compétitive l'armée et puis maîtriser les conditions environnementales et tant d'autres paramètres de guerre. Reportage Rodé Panda. La défense du pays est garantie par une meilleure armée avec des hommes bien formés et bien équipés. La guerre n'étant pas seulement un exercice d'échange de coups de canon, cela exige une intelligence qui conçoit et monte des plans et stratégies. L'université reste le sommet par excellence de formation de ces intelligences. Cette logique a poussé l'école de guerre de la RDC de signer un contrat de partenariat pour la formation des officiers des forces armées congolaises, d'où la création
création d'une nouvelle filière de master pour former les militaires en matières académiques, ce qui vient compléter la formation militaire déjà acquise, tout en remerciant le président de la République, chef suprême des armées. La finalité de l'école de guerre, c'est de doter la République démocratique du Congo en général et en particulier les forces armées de la République démocratique du Congo, les experts dans le domaine de défense et sécurité. Et vous comprendrez que ce sont les universités qui ont cette expertise. Nous remercions les autorités, les recteurs ainsi que le comité de gestion et tous les professeurs et accepter d'ouvrir ces masters qui n'existaient pas. C'est une filière qui va s'ouvrir à l'université. Les recteurs de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, s'est dit satisfait de ces grands jours qui apportent l'innovation en matière de guerre en RDC. La guerre, elle se prépare en laboratoire. C'est une question d'esprit, de l'intelligence. Voilà pourquoi notre armée se joint à l'université, d'où doivent partir les plus grandes stratégies. La conception, c'est le rôle d'une université. L'école de guerre est celle qui formera davantage des officiers supérieurs qui aideront notre pays à retrouver sa place. Qui veut la paix prépare la guerre, la formation des officiers évite au pays des surprises, des ennemis. Suivez à présent ce reportage que nous propose la réalisation sur la réunion du comité de pilotage du projet d'appui du développement intégré. Au cours de ces travaux, les experts ont fait savoir que le projet ProADER a connu plusieurs difficultés, entre autres le retard remarquable de recrutement du personnel technique, l'implantation des antennes du projet. Le comité de pilotage en a validé le rapport d'activité pour l'année 2021. C'est grâce à lui d'ailleurs, son Excellence le ministre d'État François Bobota, que nous avons repris les activités au niveau de ProADER qui était en berne depuis plus de 11 mois. C'est un budget très équilibré, ambitieux, équilibré, mais qui demande un suivi. À la culotte, comme m'a instruit le ministre d'État, le ministre de l'Agriculture, François Bouc. L'envoi au niveau de la BAD pour l'obtention de l'anneau, sa mise en œuvre, et nous projetons aussi dans les jours à venir de valider les manuels de procédure. Le coordonnateur du ProADER, Joseph Mwambalou-Lubemba, a sollicité l'adoption et l'approbation du PTBA 2022 du projet pour répondre aux besoins agricoles dans les provinces du Kwango, Congo central, Maïndombe, les Trois Kassai et Kwilu. Les défis à relever, c'est 1. Être réellement présent sur le terrain. 2. En sorte que les actions du projet bénéficient à la population. Et 3. Être content que la jeunesse ait quitté le milieu rural pour venir parce qu'elle aura trouvé ce qu'elle vient chercher. Le ProADER est un projet de la RDC à caractère agricole, financé par la BAD. En religion, le conseil épiscopal se concerte pour négocier dans la même direction les saluts des âmes. C'est l'essentiel de la réunion d'harmonisation de vues entre le membre du conseil épiscopal de l'Union des Églises indépendantes du Congo. Diane Balaka et Jojo Dibou pour le reportage. Pour prétendre avoir le pouvoir d'excommunier l'un ou l'autre fidèle dans une église, il faut absolument en avoir le droit et seulement le plein droit reconnu par toutes les institutions du pays. Les membres de la direction nationale et du conseil épiscopal de l'Union des églises indépendantes du Congo n'expliquent pas sinon ne comprennent pas le comportement de Mgr Simon Maluka, qui s'éloigne trop de ses principes fondamentaux. Ainsi donc, la soi-disant liste de scominiés n'a de la valeur que pour M. Sindinga et tous ceux qui l'ont accompagné dans cet exercice triste. D'ailleurs, indigne d'un homme de Dieu, c'est sur cette conclusion que s'est clôturée l'Assemblée de membres de l'Union des Églises indépendantes du Congo. Nous demandons aux instances compétentes, et entre autres la présidence, les conseils de ministres, la CIME et toutes les juridictions compétentes de pouvoir se saisir de ces dossiers et de demander à ce monsieur Ndinga de ne plus engager l'Union et de laisser l'Union libre fonctionner sous la houlette de l'archevêque Lambalamba Léonard. Voilà un cas d'agissement qui n'honore pas la plupart de nos communautés religieuses. Vous avez donc compris que c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis à travers le monde. Dans 30 minutes, Sandra Nyang reviendra pour la grande édition du journal. Moi, je vous retrouve encore demain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.